Aujourd'hui, Manette, je vais vous faire un placement de produit. Venez. Le produit, il est connu chez nous. Manette, c'est la connaissance de tout le monde. Si je dis quelqu'un, tu connais ce produit. Les amis, je me débranche un peu. Je vais me faire un petit massage détente. Ça va me faire trop du bien. Je vous jure que ce soit mesdames ou messieurs, prenez soin de vous. C'est important pour votre morale, pour votre santé, pour tout. C'est tellement bien d'être relaxé, détendu. Donc comme vous avez l'occasion, vraiment faites-le, c'est très très important. Prenez du temps pour vous. Le massage a été incroyable. Les amis, si vous venez là-bas d'Ira et que vous allez au spa, vous demandez un massage avec Samiha. Je vous donne la fille qui m'a massé. Elle est incroyable, machallah, c'est incroyable. Vraiment, elle a des mains. Je suis choquée. C'est vraiment le meilleur massage de toute ma vie. Elle est meuf, tout à l'heure. Genre, je suis obligée de vous raconter un truc qui m'est arrivé. Genre, je suis descendue dans un supermarché. Genre, à la base, moi, j'allais faire le magasin. Il y avait une petite boutique, j'avais envie d'aller voir parce que je voulais acheter de nouveaux vêtements. Parce que ma valise, ça fait plus de 2 mois que je suis partie de Dubaï. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à acheter. Je suis descendue et tout. Et là, je tombe sur deux chiots. Enfin, pas deux chiots, deux chiens. Trop mignons, mais vraiment trop mignons. Des chiens errants qui avaient grave faim, grave soif. Du coup, il y avait une boutique, genre une sorte de supermarché. Je me suis dit, bon, tiens, je vais aller leur acheter à manger et je vais les nourrir, tout simplement. Bon, vous me connaissez, moi je filme pas tout ça, non, je le fais de bon cœur. Et bref, j'ai passé trop un bon moment pour prendre mon téléphone à avoir ce truc, d'accord? Et une fois que je suis en train de donner à manger à ces chiens, genre, il y avait plein de clients de ce supermarché qui sortaient. Genre en mode, on me regardait grave bizarre, comme si en fait un chien n'avait le droit de manger que des restes. Parce que c'est un chien. Mais en fait, les gens ont oublié que un chien n'a pas la parole, un chien ne peut pas réclamer à manger, un chien, enfin, je sais pas, un minimum de cœur, c'est pas parce que c'est genre un animal, genre que t'as pas le droit de le nourrir, genre de quelque chose que toi-même t'aurais mangé. Moi, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis le genre de personne, je suis capable de rentrer dans une sandwicherie, prendre un sandwich et le donner à un chien errant. C'est pas parce que c'est pas un être humain, on peut très bien aider un être humain et aider des animaux. C'est quoi la différence? Pourquoi les gens regardent mal? Genre l'air de dire, non mais elle est sérieuse, elle achète à bouffer de magasin un chien, genre elle lui donne pas des restes. Mais je fais ce que je veux en fait. Moi, j'hallucine encore une fois sur cet être humain qui est si mauvais. C'est incroyable, si mauvais. Donc, c'est une dinguerie. L'être humain me choquera toujours autant. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de penser que, en fait, vu que parce que c'est des chiens errants, on n'a pas le droit de les aider. Moi, j'aide tout le monde. Que ce soit humain, animaux ou quoi que ce soit. Personnellement, si je croise quelqu'un qui a besoin de manger, qui fait pas genre en gros crari. J'ai besoin d'argent. Non, si t'as besoin de manger, viens, je t'emmène au resto, mange, installe-toi, il n'y a pas de problème. Mais j'aide tout le monde en fait. Et le fait que ces personnes m'ont mal regardé parce que je nourrissais ces deux chiens, bah, j'étais grave vénère. J'étais grave vénère. Je me suis dit, mais comment on peut être comme ça en fait? Vraiment? Les animaux, ça parle pas. Ça réclame rien. Les pauvres, ils sont toute la journée dehors. Le soleil, il tape. Je leur ai donné de l'eau et des saucisses. C'est quoi le problème? Comme demain, s'il y a une maman, s'il y a un enfant, s'il y a quoi que ce soit qui a besoin de nourriture, de courses ou je sais pas quoi, je vais m'arrêter et faire la même chose. Je me comporterai de la même manière. Donc en fait, les gens là qui jugent les gens en disant un ah, ami, ça peut nourrir quelqu'un d'autre. Non, je nourris tout le monde si je le peux, tant que je peux aider. D'ailleurs, faites-le vous aussi. La vérité, je le fais. Mais ça m'a choqué un peu de ces genres d'attitudes. Les crashes,
petit garçon qui le sourire avant que ça...